Plongé vers Rivas, c'est Jeunesse qui prend ce ballon de la tête, Atik qui est contré, et Kikonda qui peut peut-être accélérer un peu le tempo du côté de Concarneau. Kikonda qui résiste à Ezikian pour... Comme peut l'avoir la Bretagne. Alors que Mathieu Gerber là, a pu passer sur le côté. C'est sûr qu'avec Brest, Lorient, Guingamp et Rennes, plus des équipes comme Concarneau, Vitré. On sait qu'il est généreux dans l'effort. Oh oui, fluide et. Vous avez tourné, vous ne commenceriez pas pour Avranches des fois. Ah, ça m'arrive de temps en temps d'aller du côté. C'est eux qu'on a, qu'on a la main sur le rythme. Et c'est là où il faut être sur ces récup-là. Pouvoir. On ne puisse jaillir, se dégager ensuite. Récupération haute de Jason Kikonda. Qui va se projeter vers l'avant immédiatement, revenir peut-être derrière, il y a surtout une forcément. Après, attention, la main d'Amessi, pas signalé par l'arbitre. Et le ballon qui part dans l'autre sens avec Bert qui est laissé par Monsieur Leleu et Anthony Rubic qui va s'entrer dans la surface vers ses coups. Keïta au but. Keïta déshérité du cuir dans les 6 mètres par l'excellente intervention de Jason Kikonda. Bien joué. Là c'était moins une. Dégagement contré par le barillet ensuite. Et Kikonda, lui, qui va tenter de résister à Obadi. C'est passé. Ça va arriver jusqu'à... Il a trouvé preneur. Kikonda, qui s'en sort bien pour Concarneau. Affrontera Chambly pendant que Pau recevra Lyon du Cher. Le premier est à 16h. Le second, après, alors qu'il cherchait à alerter Nicolas Paulin, plutôt. Une Paulin Puel. Et Damessi. Ballon avant poste. La tête, là, de Florian Lejoncourt. Info. Et qui profite de ce ballon avec Camara sur son côté droit encore face à Kikonda puis Senzemba, et c'est Senzemba qui prend le dessus sur le jeune Enali qui ne pourra jouer ce Allez, ballon. Il faut la libérer là, bien joué. La deuxième sera Kikonda dans l'entrejeu pour renverser peut-être à droite. Il y a l'appel de Toupin, le voici servi justement Maxime Toupin. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de remplaçant béarnais à l'échauffement pour l'instant. Et Kikonda pour Damessi dans la surface de réparation qui va frapper. Ah, mais c'est pour nouveau la roulette. Ils doivent bien en savoir avec la mauvaise passe de Quentin Lecour, c'est quand même conservé car Céline avait fait un truc qui va décaler sur le côté droit. Maxime Blanc qui lève la tête, qui va essayer de revenir. De Bénédic qui a conservé. Ah, c'est dommage, il avait fait une nouvelle fois le plus dur là, Bénédic, en flirtant avec la ligne de Simon. Sont à la décharge des Concarnois, notamment ce soir encore où Damessier et Young sont absents. L'histoire tout à l'heure de match nul, effectivement, à défaut d'avoir gagné. Je vous ai compris. C'est vrai que je vous englobais un peu de gousse. Qui contrôle et oriente vers Kikonda sous le pressing de Mathieu 9 contre 11 en Côte d'Opale ce soir-là. Jason Kikonda, ce sera côté gauche. Côté forcément l'un des chouchous aussi du public qui est là depuis longtemps, hein, Maëlilien depuis 2012. Ligue 1, une cinquantaine en Ligue 2, qui est arrivé cette saison en provenance du... Allez, Kéméré pour Kikonda, qui trouve Damessi là sur le côté, il a pris le... Allez, Ben Ali pour Kikonda qui cherche peut-être Damessi, le ballon là pour Damessi, c'était un ballon dangereux, il a pris le... David Douli. C'est perdu, c'est récupéré par Kikonda qui a trouvé. Ouvrir le score face à Laval et Dunkerque mène 1-0 face à Laval. Et les Ruthénois prendraient pour Hugo Bonnet qui a cherché la mise en retrait pour Mathieu Gerber.